De nos jours, elle est une référence pour les jeunes écrivains et lecteurs maliens. Difficile de parler de la littérature malienne sans évoquer son nom. De la plume à l'oralité, elle impose sa personnalité et sa sagesse par sa compétence et son savoir-faire. J'ai nommé Fatoumata Keïta, l'écrivaine à la plume tranchante, la conseillère des écrivains en herbe. Si l'écriture est innée en plusieurs écrivains, d'autres l'acquièrent après un travail de dur labeur, voire à travers leurs parents. C'est le cas de Fatoumata Keïta, qui a d'abord bénéficié des grâces de son père. Ainsi, elle a pris connaissance avec l'écriture. Le père que vous avez vu à la porte là, c'est un père qui m'a fait lire et écrire toutes les journées de la deuxième année jusqu'à lorsque nous quittions. Tout le temps, quand mon père me faisait lire un livre, il me disait, donne la suite imaginée de ce que tu as écrit, que tu as lu. Mon rêve n'était pas d'être écrivain. C'est mon père qui m'a transmis sa passion. Les épreuves de la vie, l'écrivaine en a traversé plusieurs pour sortir brave et la tête haute. La deuxième motivation pour l'écriture de Fatoumata Keïta a été déclenchée à partir de son exil chez son oncle à Figira, le village natal de son père, pour ses études fondamentales à l'âge de 12 ans. La vie, là-bas, ne sera pas facile pour elle. Dès lors, elle se réfugie dans l'écriture. Je pars toujours de mes 12 ans, parce qu'à 11 ans, je vais quitter mes parents pour aller au Mandem Profond à Figira, où mon père va décider que j'aille et que je continue mes études et que je prenne connaissance avec la terre natale. Ça va être un grand choc pour moi. Donc, c'est là où j'ai pris conscience du fait d'être des frères massacrés. Cet orage était pourtant à prévoir. Née à Baguineda, au Mali, dans une fratrie de 5 enfants, Fatoumata Keïta a quitté ses parents pour vivre à Figira, puis à Kayi. L'écrivaine a à son actif plusieurs livres collectifs et personnels. Parmi ses premiers textes écrits, on retrouve certains dans « À toutes les muses » paru en 2014, qui est un recueil de poèmes. Cette œuvre qui a été publiée en 2014, mais ça regroupe toutes mes œuvres de jeunesse ou d'enfance, d'adolescence. Même le titre que je disais « Chez eux, maman », tout est galère, tout est calvaire, se trouve dans ce livre-là. La patience est aussi l'autre nom de la fondatrice de Figira Édition. Sa nouvelle Souffert a été déposée pour l'édition en 2003. Finalement, elle ne verra le jour qu'en 2013. Cette œuvre marque le début de sa trilogie romanesque. Souffert était une nouvelle de 13 à 17 pages, je crois. Après Souffert, suivront deux autres ouvrages, Quand les choristes se taisent et Les mamelles de l'amour, paru en 2017. Derrière ces livres se cache une histoire de trilogie qui n'est pas expressément faite. Je me suis retrouvée avec une trilogie dans un pur hasard. Qui a donc osé jeter du piment sous nos pieds? Personne. Les lecteurs de la trilogie, notamment Nanaba, étudiante en lettres modernes, et Chaka Keïta Dilawale, étudiant en journalisme, avouent avoir tiré plusieurs enseignements de ces livres. J'ai beaucoup aimé sa trilogie. Surtout souffert, à travers les thèmes qui y sont abordés, le thème de la polygamie, de l'excision et tout ça. Dans ce livre, elle montre la polygamie comme étant une coutume de notre Afrique, de notre Mali, où elle met en scène la société mandingue, où tout le monde peut décider du sort de l'enfant, où la femme n'est pas pour le mari seulement, mais aussi pour ses frères. Commençons par souffert. Qui parle de Levira, qui parle de mariage avec consentement, qui parle surtout la vision des différentes communautés maliennes sur la femme. Paru en 2019, Ce n'est jamais fini, tome 1 et tome 2, sont des recueils de poèmes écrits par Fatoumata Keïta en reconnaissance de ces merveilleuses personnes qu'elle a eu à rencontrer et qui l'ont aidée. Ce n'est jamais fini, tome 1, pour revenir à ce livre-là donc, c'était pour me dire, Fatoumata, tu as fait du progrès, mais tu n'as pas fait du progrès seul. Tu as fait du progrès à l'aide de concours, de circonstances, à l'aide d'opportunités, à l'aide de personnes merveilleuses que tu as rencontrées. L'occasion était pour moi de faire un clin d'œil à toutes ces personnes importantes dans ma vie. Et Ce n'est jamais fini a été publié en 2018 pour être réédité par Figira Édition en 2019 avec
la sortie de ça, ce n'est jamais fini, tome 2, qui est aussi un clin d'œil à l'enfance handicapée. Ma mère me faisait faire toutes les tâches de la maison, rien que pour qu'elle me rencontre des comptes, a affirmé Fatoumata Keïta. Née et grandie avec cet amour pour les comptes, elle s'est également investie pour créer des productions littéraires allant dans ce sens. Les Fili, Sadian et Blissi sont sortis en 2020. Ce sont des contes de terroir qui ont été réécrits par moi, illustrés par Alice Romé. Et donc, c'est des contes qui m'ont été souvent dit par ma mère. Je fais un clin d'œil à cette femme, cette brave femme. Fatoumata Keïta est une lumière, une chance, voire une baobab pour la littérature malienne. Comme le dit ce célèbre auteur français, je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Puisse son parcours inspirer la jeune génération afin que la littérature malienne continue de traverser encore les frontières.